Et c'est parti pour ce Villarreal Juventus qui risque d'être très intense. La Juventus qui a fini première de son groupe. Donc logiquement, c'est Villarreal qui est en face. Pas de sauver Villarreal. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Parce que sinon, ça peut évidemment très mal finir. Locatelli, McKinney, Rabiot. Rabiot toujours. Morata, Rabiot. Cuadrado. Cuadrado qui résiste. Rabiot. Cuadrado. Oh, la frappe de Rabiot qui passe juste à côté. Ben voilà, il aura fallu attendre que l'un des joueurs se réveille et se décide à frapper. Parce que le 1-2, Cuadrado Rabiot marchait très bien, mais il fallait peut-être faire quelque chose. Mais là, ça fait être le cas. Et Cuadrado qui manque sa frappe de peu. Pedraza. Le ballon directement sur Locatelli. Deschilio. McKelly. Alexandro. Alexandro toujours. Locatelli. Locatelli qui résiste. Qui a tel soutien. Là, il est complètement seul. Cuadrado. Rabiot. Morata. Cuadrado. Locatelli, c'est bien fait. Et tout seul, le centre, c'est directement sur Rulli. C'était bien fait, mais il n'y avait personne dans la surface. Chukwueze, Capou, Dani Parejo, Capou, Chukwueze, Capou, Foyt, Chukwueze. Et l'interception de Cuadrado sans aucune difficulté. Morata, ça ne passe pas, interception de Capou. Foyt. Chukwueze. Chukwueze toujours. Capou. Parejo. Alberto Moreno. Moreno toujours. Pedraza. Pedraza. La lutte avec Cuadrado, c'est bien fait. C'est contré. Corner. Non touche. Non touche pour Villarreal. Devant la surface de la Juve. Danruma, Alberto Moreno. Et l'interception de McKinney juste avant l'entrée de la surface. C'est bien fait de la part de l'Américain. Vlahovic, la recrue. Cet hiver de la Juve. McKinney. Morata. Et faute sur Morata et coup franc. Très dangereux. Très très bien placé. Alors voyons voir le ralenti. Ah bah oui, il n'y a pas grand-chose à dire, il marche sur le pied. Et Pedraza qui est furieux, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Ça donne un coup franc très dangereux pour les Turinois. Et le coup franc dégagé, sans aucun problème. Ça revient sur Rabiot, Alexandro. Le centre, c'est dégagé. Ça revient sur Rabiot, encore une fois, Alexandro. Alexandro qui a le soutien, c'est pour Rabiot. McKelly. Oh, McKelly contré. Et corner. Cette fois, oui, il n'y a pas de doute. Corner pour la Juventus. Locatelli qui va se charger de ce corner. Il est bien tiré. C'est dégagé. Ça revient sur Cuadrado encore une fois. Cuadrado. Cuadrado qui résiste à Chukwueze, le centre. Vlahovic qui est contré. Ça aurait pu faire mal pour Villarreal, mais heureusement la défense était là. Pedraza. Alors que l'entend les supporters de la Juve, les tifosi commencent à donner de la voix. Ils savent qu'il y a un énorme coup à jouer. Pour l'instant, ça ne veut pas payer. Rabiot. Morata. Vlahovic. Et si ça passe, McKinney. Oh le ballon. C'est dégagé. La justesse. Locatelli. Alexandro. McKelly. McKelly qui ne passe pas. La bonne défense de Capou. Pedraza. Pau Torres. Capou.
Foyt. Chukwueze. Et l'interception de Vlahovic. Morata, McKelly. McKelly qui fait littéralement de pas ce qu'il veut, mais il y arrive. Vlahovic. Rabiot. Vlahovic. McKelly. Rabiot. Vlahovic. Contré. Au moment d'armer sa frappe. Décidément, il ne va pas y arriver à frapper le Serbe. La défense est complètement sur lui. Il n'a pas l'occasion de s'exprimer. Pedraza. Contré par Cuadrado. Et touche pour Villarreal une nouvelle fois. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période et toujours 0-0. Malgré une nette domination de la Juve, ça ne veut toujours pas entrer. Onana. Alberto Moreno. Pedraza. Alberto Moreno. Le centre, ça passe juste au-dessus. Et c'est la mi-temps ici à Villarreal et 0-0 entre Villarreal et la Juve. Donc tout reste à faire en seconde période. Et c'est parti pour cette seconde période. Pas de changement à la pause. Ah si, la sortie de Moy Gomez. Dans la sortie d'Alberto Moreno, l'entrée de Moy Gomez. L'entraîneur de Unai Emery a compris que ça allait très très mal dans cette première période pour ces hommes. Et donc fait déjà un changement. C'est ce qu'il y a bien à faire dans ces cas-là. Chukwueze. Et donc il résiste au pressing. Dani Parejo. Chukwueze. Et c'est contré. Morata. Non, ça ne passe pas. Pau Torres. Dani Parejo. Capou, Chukwueze, Foyt, Chukwueze, Foyt, Foyt toujours, Capou, Pedraza, que personne n'est venu chercher, et Locatelli, l'interception impeccable, juste au moment où je le dis. Deschilio. Cuadrado, Locatelli, Locatelli, non ça ne passe pas, c'est bien défendu, Parejo, Tandruma, Lo Celso, Capou, le long ballon pour chercher Tandruma, c'est directement Chesney qui dégage, qui rate un peu son dégagement, mais heureusement que personne ne le contre, parce que ça aurait pu finir au fond, avec Locatelli maintenant, Morata, McKelly, Vlahovic qui peut toucher. Si la frappe de Vlahovic, et c'est pour Ouli. Précisément, il ne veut son but, Vlahovic. Il a bien raison en même temps, mais ça ne veut toujours pas entrer pour l'attaquant serbe. Pedraza. Moy Gomez. Excellent ballon pour Dadruma. Il est parfaitement lancé. Et l'interception des fautes, pardon, des déchignots. Et peut-être même un carton. Et McKelly qui proteste, et carton jaune pour Mattia Deschilio. Oui, ça semble un peu sévère pour le carton. Alors, voyons voir. Bon, il rajoute plus qu'un peu, là, Dadruma. Oui, il marche sur le pied, mais il n'a absolument pas la main dans le visage. Tout franc, oui, à faute. Mais Dadruma, on a rajouté plus qu'un peu. Et attention, carton pour Deschilio. C'est un excellent coup franc. À Villarreal, et le coup franc, et c'est dégagé. La sortie de Capoul, l'entrée de Trigueiro, c'est la sortie de McKelly, l'entrée de Bernardeschi pour la Juve. Pendant ce temps-là, on a eu des changements. Vlahovic. Et l'interception de Dani Parejo. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Tandruma. Chukwueze. Foyt. Chukwueze. Lo Celso. Chukwueze, Dani Parejo. Et l'interception de Cuadrado. Morata. Vlahovic. Il y a du soutien. Voilà, c'est bien fait pour Bernardeschi qui vient juste de rentrer. Bernardeschi, qu'est-ce qu'il attendait pour frapper? Mais que c'est mal joué de la part de l'Italien. Mais quelle erreur! Oh, attention, la mauvaise relance. De Rulli, la Juve déjà qui récupère le ballon. Vlahovic.
Vlahovic! Et la parade encore de Rouli, qui se rattrape de son erreur qui a failli coûter cher à Villarreal. Mais toujours 0-0 dans cette rencontre. Qui est plus que dominé par la Juve, mais n'arrive toujours pas à inscrire ce maudit but qui ferait la différence. Morata, non, ça ne passe pas. Chukwueze. Moy Gomez. Interception de Cuadrado cette fois-ci, mais le ballon toujours pour... Non, finalement non. Ballon pour la Juve. Et pas pour longtemps, l'interception déjà de Donnarumma. Attention, la faute d'Alexandro. Mais sinon, ça fait deux fois que Donnarumma obtient une faute. Cette fois-ci, pas de carton. Il ne faut pas non plus exagérer, monsieur l'arbitre. Il va falloir qu'il... Alors, voyons voir, c'est vraiment aussi... Oui, là, là déjà, il en rajoute beaucoup moins. Il tape dans le genou. Certes, c'est assez sévère s'il fait faute là-dessus. Parce qu'il est parfaitement debout. A fait l'action d'Donnarumma. Ça fait déjà le deuxième carton obtenu. La sortie de Vlahovic, l'entrée de Federico Chiesa. L'attention, le coup franc. Et récupéré par Cuadrado. Vlahovic qui aura absolument voulu marquer son but, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et Chiesa qui fait son entrée à sa place. Rabiot. Alexandro. Rabiot. Bon, Rabiot qui fait ce qu'il veut face au défenseur. Et donc, il garde le ballon. Alexandro, Cuadrado, Bernardeschi, l'arrêt de Rouli. Cette fois, Bernardeschi a compris qu'il fallait frapper s'il voulait marquer. Mais cette fois-ci, Geronimo Rouli était parfaitement vigilant. Bernardeschi, qui cette fois-ci n'a pas commis la même erreur que tout à l'heure, où il avait un boulevard devant lui, il n'avait pas frappé. Cette fois-ci, il s'est bien rattrapé. Et encore un changement, la sortie. De Chukwueze, l'entrée d'Estupinian. La sortie de Rabiot, l'entrée d'Arthur. Bernardeschi, non, c'est pas terminé le dégagement. Alors que Cuadrado était à tout proche de reprendre ce ballon. Donnarumma. Donnarumma toujours. Et le bon contre d'Alexandro. 2 minutes encore à jouer dans ce match. Et toujours 0-0. Entre Villarreal et la Juve. On aurait préféré avoir un meilleur match que ça, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Pedraza. Albiol. Et c'est terminé. Match nul entre Villarreal et la Juventus. Tout va se jouer à Turin. Tout va se jouer à l'Allianz Stadium dans 2 semaines. Et on espère surtout voir un meilleur match dans 2 semaines. Donc voilà, ça va être là. Et je vous donne rendez-vous demain pour Atlético Madrid, Manchester United. Pour le 8e de finale qui risque d'être très intéressant, surtout très épique et très intense. Je vous souhaite bonne soirée et à demain, 20h.